Salut ces super fans, comment tu vas? Bienvenue dans ce deuxième numéro de Geek Rendez-vous, l'émission de la pop culture qui revient sur tout ce qui s'est passé cette semaine dans la culture geek. Il y a eu plein de choses hein, cette semaine. Notamment HBO qui apparemment travaille sur un prequel à Game of Thrones qui va revenir sur les origines de la maison Targaryen. C'est toujours HBO hein, évidemment qui va produire et qui diffusera cette nouvelle série. En fait, c'est l'adaptation du roman de George R.R. Martin qui s'appelle Fire and Blood. Ça se passe 300 ans avant Game of Thrones et ça raconte l'histoire de la famille Targaryen. Et apparemment, il y aurait beaucoup de dragons dans cette série, dans ce roman et dans cette série également. Qui va donc être produite par HBO. Hâte. Grave. L'autre question que je me suis posée cette semaine, c'est est-ce que Robert Downey Jr. va revenir dans le rôle d'Iron Man ? J'ai vu plein de rumeurs circuler. Mais apparemment, l'info, c'est que Marvel aimerait que Robert Downey Jr. revienne dans le MCU, mais en tant que voix off seulement. Parce que Marvel prépare pour Disney+, une série qui va parler de la remplaçante d'Iron Man, c'est Ironheart, et Robert Downey Jr. voulait absolument que son remplaçant soit en fait ce personnage, Ironheart. Dans le comic, c'est ça, hein, c'est Riri Williams. C'est une jeune fille, black, une étudiante brillante au MIT, qui remplace Iron Man. Et apparemment, Disney aurait demandé à Robert Downey Jr. de faire la voix off de l'intelligence artificielle, un peu le comme Jarvis, hein, le Jarvis de Riri Williams. Et donc Robert Downey Jr. pourrait jouer le rôle de cette intelligence artificielle en faisant la voix off pour cette nouvelle série sur Disney+, avec Ironheart qui prendrait la place d'Iron Man. Mauvaise nouvelle pour Tom Cruise, oui c'est vrai parce que Tom Cruise aurait aimé reprendre le rôle d'Iron Man, mais apparemment dans cette série ce sera toujours le cultissime et merveilleux acteur Robert Downey Jr. qui pourrait reprendre son rôle d'Iron Man pour passer le flambeau hein, en quelque sorte. Sony a-t-il fait une offre pour que Disney réintègre Spider-Man au MCU, au Marvel Cinematic Universe? La réponse est oui. Selon plusieurs sources, Sony aurait proposé à Disney une nouvelle offre pour que Spider-Man et Venom aussi soient dans le MCU. Alors l'offre exacte de Sony, je vais te la donner tout de suite. Sony aurait fait une proposition à Disney de posséder Spider-Man à hauteur de 30%. On parle des droits cinématographiques, hein. Mais pas seulement, l'accord propose aussi d'intégrer Venom au MCU. Alors j'espère que Marvel va accepter. J'espère que Sony et Marvel vont enfin trouver un accord, franchement. Les frères Russo, qui en avaient fini hein, avec le MCU, ils avaient fait Avengers Endgame et le contrat s'arrêtait là. Hein. Les frères Russo craquent pour le surfeur d'argent. Apparemment, ils adorent les 4 Fantastiques et ils aimeraient beaucoup adapter les X-Men ou les 4 Fantastiques au cinéma. Et en particulier le personnage extraordinaire du surfeur d'argent dont ils sont absolument fans, hein, comme moi. Marvel pourrait bien choisir des acteurs de couleur, deux acteurs noirs par exemple, pour incarner Magneto et le professeur X. Disney veut beaucoup plus de diversité dans ses productions et aimerait donc que le professeur Xavier et Magneto soient incarnés par des acteurs issus de la diversité. Mais les X-Men vont pas encore arriver tout de suite dans le MCU, hein. Ça va prendre apparemment plusieurs années, ça va être long. Kristen Stewart, la prochaine star chez Marvel, l'ancienne actrice qui avait joué dans Twilight, hein. Elle avait déclaré, enfin c'est pas elle qui avait déclaré, mais on avait appris qu'apparemment elle avait caché sa bisexualité lors de casting pour jouer un rôle dans un film Marvel, qui c'était son rêve, c'est toujours son rêve d'ailleurs. Et ce qu'elle aimerait maintenant, c'est intégrer l'univers Marvel, mais en incarnant un personnage LGBTQ+, parce qu'elle est bisexuelle hein, dans la vie, et apparemment Marvel et Disney seraient très intéressés à caster Kristen Stewart, par exemple pour leur film Eternals, hein, puisque Richard Madden, qui joue dans Game of Thrones notamment et dans Bodyguard, va jouer le premier personnage gay dans un film Marvel. Et il va jouer, je crois, c'est Hercule ? Je sais plus. Et Valkyrie aussi, hein, qui est bisexuelle, mais apparemment les scènes ont été coupées dans Thor Ragnarok. Donc Kristen Stewart pourrait jouer un personnage gay dans le MCU. Et elle a le soutien de Anthony Mackie, hein, le faucon Captain America, le gars qui se prend pour Captain America, mais il sera jamais mon Captain America. Anthony Mackie qui a déclaré « Je pense qu'elle devrait être l'homologue féminin homosexuel du faucon Captain America ». C'est pas contre Anthony Mackie, hein, c'est juste que je suis pas du tout fan du personnage du faucon, de ce qu'ils en ont fait dans les films du MCU par rapport à son traitement dans les comics, qui est beaucoup plus classe, je trouve. James Gunn se dit prêt à réaliser un film de plus pour les Gardiens de la Galaxie. James Gunn qui avait été viré comme une merde par Disney, qui a ensuite été repris
face à la fronde des acteurs, de tout le cast. Donc il va revenir pour le troisième et dernier opus des Gardiens de la Galaxie, mais apparemment il aurait déclaré qu'il aimerait revenir pour un quatrième Gardien de la Galaxie. Ça me ferait vraiment plaisir. C'est une des meilleures, pour moi, une des meilleures franchises, hein, une des meilleures marques de Disney. Shang-Chi, le super-héros asiatique de Marvel, va débarquer au cinéma le 12 février 2021. Et ce qu'aimerait Marvel avec ce film, c'est pas tomber dans les clichés sur les Asiatiques. Shang-Chi, c'est le Bruce Lee, hein, du Marvel Cinematic Universe. Star Wars 9. Et si Hayden Christensen, Anakin Skywalker, s'apprêtait à faire son retour aux côtés de l'Empereur Palpatine, parce que c'est confirmé, hein, l'Empereur Palpatine sera dans Star Wars 9. Est-ce que Anakin Skywalker sera de retour, interprété par Hayden Christensen? Selon les rumeurs et selon les fans, oui, il pourrait être de retour dans l'Ascension de Skywalker qui va sortir le 18 décembre, au cinéma. J'aimerais beaucoup. Évidemment, c'est du fanservice. C'est du fanservice et j'ai l'impression que J.J. Abrams nous va jouer la carte vraiment de la nostalgie, hein, pour ce dernier opus qui va conclure les films Skywalker. Star Wars 9, les nouveaux pouvoirs et le nom de famille de Rey aurait fuité, spoilers, donc je vais pas t'en parler. Si ça t'intéresse, cherche sur Google, mais il y en a plein d'infos sur le rôle de Rey et ses pouvoirs, voilà, ses pouvoirs Jedi ou ses pouvoirs Sith, je ne sais pas. À toi de découvrir ça, si ça t'intéresse. Disney+, une série consacrée à Yoda serait en préparation, énorme. Après The Mandalorian, qui va bientôt sortir, hein, avec l'arrivée de Disney+, Cassian Andor et Obi-Wan Kenobi, oh là là. Hâte. Eh bien, apparemment, ce sera une série sur Yoda qui serait vraiment en préparation. Elle a été annulée, puis ensuite ils l'ont repensée. Et apparemment, elle pourrait voir le jour sur Disney+. Ah, franchement, je vais m'abonner, mais direct. Officiel, les séries Disney+, Moon Knight, un de mes personnages préférés de comics Marvel, et Loki ont désormais un titre de travail qui seront donc Good Faith pour la première et River Cruise pour la seconde. Et oui, la série Loki qui va arriver... avec le lancement de Disney+, et Moon Knight, c'est en quelque sorte le Batman de Marvel. C'est vraiment l'inspiration principale de Moon Knight au sein des comics Marvel. C'était vraiment à la base Batman, hein, de DC. C'est un personnage extraordinaire, si tu le connais pas. Cherche les comics sur Moon Knight, c'est juste formidable. L'avenir de Disneyland Paris, le parc d'attractions, hein, se dévoile un peu plus avec Star Wars, Avengers et la Reine des Neiges. Il y aura donc un campus Avengers avec une attraction Spider-Man où tu vas pouvoir te mettre à la place de Spider-Man et sauver New York. Il y aura un campus Avengers et il y aura un hôtel aussi, hein, un hôtel Marvel. En fait, c'est l'ancien hôtel New York qui rénove en ce moment, hein, qui va s'appeler Disney's Hotel New York, The Art of Marvel. On va regarder ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cet hôtel Disney? Voilà, ça va ressembler à ça. C'est à Paris, hein. Marne-la-Vallée, voilà à quoi ressemble l'hôtel. D'ailleurs, tu peux réserver tes places. Si tu peux réserver une chambre, si tu veux, à partir du 5 novembre. À partir du 5 novembre 2019, tu vas pouvoir réserver une chambre au Disney Hotel New York, The Art of Marvel. Je vais peut-être y aller, moi, tiens. Côté DC, The Batman, le prochain film, hein, avec Robert Pattinson. Apparemment, Christian Bale a un super point de vue sur Robert Pattinson en tant que chevalier noir. Évidemment, hein, il se complimente à chaque fois, c'est toujours pareil. Pour Christian Bale, il s'agit d'un bon choix. C'est ce qu'il a dit sur Twitter. C'est un acteur intéressant, fantastique même. Et le seul conseil que Christian Bale donne à Robert Pattinson, c'est être capable de pisser tout seul. Le même conseil qu'il avait donné à Ben Affleck, d'ailleurs. Hein. Toujours en parlant de Batman. Les grandes lignes du film avec Robert Pattinson se dévoilent un peu plus. Bon, c'est pas de gros spoilers, donc je peux t'en parler. Apparemment, ce film se focaliserait sur le côté détective de Batman, parce qu'à la base, Batman est avant tout un grand détective, hein, un des plus grands détectives dans le monde. Et donc ce film parlerait de Batman sous l'angle du détective qui devrait résoudre des crimes et qui devrait affronter plusieurs méchants, 6 pour le moment. Catwoman, le pingouin, l'homme mystère, Firefly, le chapelier fou et Double Face. Des méchants, des super-vilains très connus des lecteurs de Batman. Batman qui va sortir le 23 juin 2021. Donc on a encore du temps. D'ici là, t'auras oublié ce spoiler. Cet acteur, Mahershala Ali, pourrait bien incarner le commissaire Gordon. Il a joué dans True Detective, il a joué dans Luke Cage aussi. Hein. Et apparemment, ce serait le nouveau, selon les rumeurs, le nouveau commissaire Gordon dans The Batman.
Qui pour remplacer Henry Cavill en tant que Superman? Alors les fans et les professionnels aussi parlent beaucoup, beaucoup de Tyler Hoechlin, c'est lui, celui qui joue Superman déjà dans la série Supergirl. Hein. Et c'est pas officiel, hein. C'est pas officiel encore, ce sont les fans qui aimeraient bien que ce soit lui. Et selon les rumeurs, il pourrait remplacer Henry Cavill, donc il a déjà joué Superman, il pourrait aussi l'interpréter au cinéma. Oups, Netflix lâche par erreur la date de sortie de The Witcher et d'autres séries à venir. C'est le community manager de Netflix, c'était dans quel pays déjà? Aux Pays-Bas, qui a posté un message avec la date de The Witcher, et après il l'a retiré, il a été supprimé, hein. Mais les gens ont eu le temps de faire une capture d'écran. Donc apparemment The Witcher avec Henry Cavill, hein, la série événement, va sortir le 17 décembre 2019. En parlant de Netflix, tu as dû suivre la campagne, hein, hashtag cancel Netflix, les fans de The OA décident de passer à la vitesse supérieure en se désabonnant. Dans le monde entier, il y a un mouvement international pour se désabonner de Netflix afin de protester contre l'annulation de cette série The OA. Moi, je le ferai pour l'annulation de Sense8, franchement, qui était une série extraordinaire. Malheureusement, les fans ont uniquement apparemment cette méthode qui leur reste pour se faire entendre par Netflix. Hashtag cancel Netflix. Après, on ne sait pas l'impact que ça a eu, hein, sur les chiffres de Netflix. Est-ce que ça lui a vraiment fait du mal ou pas? Je pense que Disney+ va faire beaucoup plus de mal à Netflix que cette campagne. South Park est renouvelé pour 3 saisons supplémentaires. D'ailleurs, South Park qui va débarquer sur Netflix. Hein. The Boys, la série d'Amazon. La mairie du 10e arrondissement de Paris porte plainte contre Amazon pour affichage sauvage illégal, puisqu'à Paris, il y a des affiches partout. À chaque fois que je me promène dans le centre de Paris, je vois des affiches pour The Boys sur tous les murs. Ça, c'est interdit, hein, de coller des affiches comme ça, sans autorisation. OSS 117, un des rares films français que j'adore. Ça va s'appeler Alerte Rouge en Afrique Noire. Un titre et une date de sortie pour la comédie avec Jean Dujardin, le retour d'Hubert Bonisseur de la Batte. Hein. Le film va sortir en février 2021 et va s'appeler Alerte Rouge en Afrique Noire. Je me demande vraiment comment ils vont faire pour faire ce film, parce qu'en cette période de politiquement correct, ça va être très difficile, hein, de faire rire avec les mêmes clichés racistes et ce personnage de beauf d'OSS 117. Hâte de voir ce film. Et enfin, un fan demande à Macaulay Culkin de reprendre son rôle de Kevin dans le remake de Maman, j'ai raté l'avion. Et l'acteur lui répond: c'est un de mes films préférés, je pense que je le vois tous les ans, plusieurs fois par an en fait, surtout vers la période de Noël. Toutes les personnes qui sont nées ou qui ont grandi dans les années 90 sont fans de ce film. Et apparemment, un fan a lancé une pétition pour qu'il soit dans le remake. Voilà à quoi ressemblerait Home Alone, c'est-à-dire Maman, j'ai raté l'avion, avec Macaulay Culkin. Il ressemble à ça aujourd'hui. Bon, évidemment, c'est une vanne. Hein. Alors, son problème avec cette pétition, son grand problème, c'est qu'il a 39 ans. Il a 39 ans. Mais apparemment, il est pour. Hein. Il est pour revenir dans ce remake. Ce serait vraiment cool de le retrouver, même à 40 ans, hein, dans le remake de Maman, j'ai raté l'avion. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Geek Rendez-vous. Je te souhaite un très très bon dimanche. À bientôt. Salut. Ciao.